Mais ici, on voit qu'il y a un problème. On est déjà en train de ressentir la sécheresse. J'espère qu'il va s'en remettre, hein. C'est pas encore trop grave. Ce qui est incroyable, c'est que ça ne parle pas, mais ça vous dit tout. Celui qui sait lire, il sait ce qu'il doit faire. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on n'écoute pas. C'est le métier le plus fabuleux du monde. Quand vous travaillez avec la vie, quand vous mettez une graine, je dis toujours, on a le monde dans sa main. Et quand vous mettez une graine, un arbre dans le sol, et puis vous le voyez grandir, vous l'avez regardé d'en haut, et puis un jour, il vous regarde lui d'en haut. Et c'est ça qui est fabuleux. Les arbres et les animaux ont des comportements différents devant le danger. Le danger, ça peut être un pathogène, ça peut être un prédateur, ça peut être un changement climatique désagréable, bref. Les animaux, ils se sauvent. C'est pas très courageux et de toute façon, c'est pas la bonne manière de résoudre le problème. Les plantes, elles, que ce soit des herbes ou des arbres, ne peuvent pas se sauver. Et par conséquent, ces plantes sont contraintes de résoudre le problème, faute de quoi, elles disparaissent tout simplement.